C'était Dieu, la garde à vue. Mais maintenant, tu vas vraiment hein. Effrayer. Ils tapent. Non, ils ont commencé à taper à partir de 4 heures. Ils venaient nous taper. On se réveille. On se réveille. Tu vois, c'était ça. Tu vois, c'était. Moi, je ne suis pas habitué. Bon, la veuve. J'ai quand même pardon, n'oublie pas le jour que tu passes au tribunal. Garde ça bien, je t'ai dit. Non, voilà ça. Pardon, garde ça. Et il faut qu'on te rappelle. De toute façon, que si tu ne passes pas au tribunal. Donc, je passe au tribunal. Oui, je suis arrêté. Donc, toi-même, tu ne vas pas t'arrêter. Oui, non, mais moi-même, m'a dit, je vais passer. Non, est-ce que moi, je fuis la police? Ma part, c'est le 19 janvier, septembre. Septembre. 2019. Moi, c'est le. Donc, voilà. Moi, c'est le septembre. Donc, on va faire les travaux d'intérêt général. Oui. C'est quoi cette histoire? Tu m'as fait pourquoi? On ne décroche pas l'aise. Non, je refuse. Non, c'est ça. Donc, moi, je passe le 7-06 à 9h. Voilà. Et moi, tu pour être jugé devant les fêtes. Bah oui, c'est ça. Ouais. Moi, je passe à 13h. Moi, je vais tout le temps quand même les fêtes d'Agobert. Et après, je passe. Mais attends, c'est pas possible. Elle ne m'a pas mangé là. Donc, je passe pour quoi? Ok, vous avez le temps. On écrit, passer. Voilà. Je passe au tribunal pour violence volontaire. C'est ça. Ayant entraîné l'incapacité de travailler supérieure à 8 jours sur la personne de Bilon et Foi Elisabeth, veuve d'Egrémont. C'est ça. Avec ces circonstances, ma chérie, Vanessa, je t'appelle. Les faits ont été commises avec usage ou menace d'une arme. Oui. Bon, et maintenant, moi je passe. Un coup porté avec une bouteille de vin ayant entraîné 3 jours. Seulement un coup. Un coup. Mon écrit, sinon, comment tu dis qu'un coup, un coup porté de bouteille de vin ayant entraîné 3 jours de suicide. Mais c'était fort quand même, de suicide. La veuve, tu as senti mal. Tu étais si tu faisais ta joie, non? Regarde ce que tu m'as fait. C'est tout. Et tu m'as cassé ma tête. Si demain maintenant, avec la nouvelle, tu vas dire quoi? Bon. Et maintenant, moi je suis quoi? On dit que quoi? Oui, tu es ici. Je suis convoqué. À Nanterre. À Nanterre. Parce que j'ai la personne comporte une expression. Maman. Hey, autour de Lolo Pipi, pardon. Les gens étaient sidérés. Que le suit une maman comme ça, elle a dit que la mère là faisait la pute à. Elle a dit que la mère là a accouché avec les prêtres. Elle a raconté beaucoup de choses. Que beaucoup de prêtres. Elle a parlé d'un artiste même. Oui. Tout est sorti. Tout est sorti là-bas que. Maman. Oui. J'ai dit que quand on a mis la vidéo là. On t'allait me tuer là-bas. Quand elle insultait la mère de Doudou. Oui. Merde. Il a dit que tous les policiers que l'acharnement. Oui, parce qu'elle était vraiment très dure. Envers les mots qu'elle a dit envers cette maman. Non. Vraiment, elle est venue chez la veuve parce qu'on a insulté ma mère. Mais quand j'ai vu ce que cette fille a fait à la mère de Doudou. Non, c'est ce que Isabelle m'a fait, c'est petit. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit que tout le monde était sidéré. Maman, j'étais dépassée. Pipitologue. Quand tu insultes une maman comme ça, la mère de quelqu'un. On dit que c'est ton tu tour. Tu traites la mère de quelqu'un de cette façon. Bachel, Majeli et Gamajel les capturent et l'insultent. Oui, maintenant, il vient mentir. Ils ont vu ça sur YouTube, la vidéo où elle insulte la mère de YouTube. Non, c'était trop, non, donc, c'est trop fort. Pour l'instant, puis moi, même si quelqu'un m'insulte quelque part, moi je ne réponds plus. Non, c'est mieux. Moi, je ne réponds plus. Donc, je sais que j'ai encore quelques détracteurs qui sont pour m'insulter. Oui, pour continuer. Non, on a dit quoi? Je m'avais seulement porté plainte. Oui, c'est tout. C'est comme ça maintenant. Non, un docteur réel, pas le faux profil. Non, une personne réelle. Une personne réelle, qui l'insulte, elle porte plainte. Moi, j'avais porté plainte et je ne la réponds plus. Donc, je peux t'insulter, la veuve. Non, on est... Vous comprenez, non. Voilà, la plainte de Elisabeth. Voilà. Moi, je l'ai adressée. Ici, c'est marqué que... Nanterre, au tribunal de grande instance à Nanterre, au mois de... André, non, ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Donc la veuve passe pour injure, elle a dit quoi? Salope, chienne, j'encule ta mère. C'est pour ça qu'elle a été convoquée. Moi, je suis convoquée pour agression, pour l'avoir brutalisée au tribunal de grande instance de Nanterre le 7 juin.
Voilà, donc j'ai été condamnée à passer au tribunal, elle aussi. Ceci veut dire, quand nous faisons les vidéos, il y a les gens qui regardent. Et en passant, je vais juste te dire quelque chose en passant. J'ai vu aussi, il y a Ngossa. Oui, il y avait les vidéos de Ngossa. Il y avait la bagarre là-bas. Il y a elle, il y a maman ministre, il y a Nadège Mbapa et il y avait Lolo Lano. Oui, elle, c'est la plus dangereuse. Il y avait maman ministre. Donc, j'ai vu aussi pour Ngossa. Donc, là-bas, la police a toutes les vidéos là. Désormais, comme vous voyez là, la veuve a pour interdiction, je dis bien que interdiction, elle peut faire ses vidéos. Elle a pour interdiction d'injure sur ma personne.